Nous sommes plus de 2 milliards dans le monde à l'avoir adopté. Il a investi notre vie privée, sociale et professionnelle, mais depuis les révélations sur les méthodes de Facebook, nous nous sentons épiés, voire manipulés. Y a-t-il des failles de sécurité dans Facebook ou est-ce une machine à contrôler ? Facebook n'a aucun problème de sécurité. Ce qui se fait jour aujourd'hui, c'est un modèle économique qui consistait et qui consiste encore à partager le plus largement possible les données personnelles des utilisateurs avec les vrais clients de Facebook qui sont des annonceurs et dans ces annonceurs, il y a des politiques. Le modèle des GAFAM, de Google, Facebook et des autres, est fondamentalement illicite dans la mesure où il repose sur l'idée qu'on accède à un service en contrepartie de nos libertés. En démocratie, acheter un bien ou un service avec nos libertés, c'est interdit, c'est contraire à nos principes. Alors, faut-il tenter de réglementer Facebook pour protéger nos données personnelles ? On a affaire à des entreprises qui sont au-dessus des États et qui sont en train d'asseoir une domination sur la planète par-dessus les États. Et le grand jeu aujourd'hui va être de voir comment les États vont réagir en termes de régulation. Justement, le 25 mai prochain, l'Union européenne dégaine son arsenal juridique, le Règlement général sur la protection des données qui doit mieux encadrer la collecte et la protection des données personnelles. Armes de persuasion, les contrevenants encourent des amendes jusqu'à 4% de leur chiffre d'affaires mondial. Ça va être long, ça va être compliqué. Il faut se féliciter que la population soit de plus en plus inquiète de ces sujets, les comprenne, ça a pris beaucoup de temps, mais enfin on voit que ce n'est pas des sujets de geeks, c'est des sujets politiques extrêmement profonds. Et cette prise de conscience est déterminante car la réforme ne viendra pas de Facebook. Facebook, un modèle de vertu ? Non. Facebook, au départ, a été pensé comme un fournisseur d'entertainment, une espèce de Disneyland virtuel. Et puis ça a évolué, c'est passé par tout un tas de phases. Donc Facebook s'est totalement adapté au paysage politique et aujourd'hui c'est un composant assez indispensable du paysage politique dans tout un tas de pays. Alors la solution est-elle de quitter Facebook comme l'ont déjà fait des grands groupes et plusieurs millions d'utilisateurs ? Partir de Facebook, c'est très compliqué. Si vous êtes isolé par rapport à votre famille, isolé géographiquement, si votre travail vous l'impose parce que vous êtes journaliste ou quoi que ce soit, si vos professeurs vous l'imposent dans un cours de TD, mais les cours vont être mis sur Facebook malgré vous. Se déloguer radicalement ne changera pas énormément les choses. Même si vous n'avez pas de compte Facebook, chaque fois que vous passez sur un site web où il y a un petit bouton partager sur Facebook, Facebook sait que vous êtes passé par là et va remplir un profil vous concernant. Pour certains, l'alternative serait de créer un nouveau réseau social payant et soumis à une autorité de contrôle internationale plus éthique. En attendant, l'association La Quadrature du Net veut intenter une action de groupe contre Facebook en s'appuyant sur la nouvelle réglementation européenne.